Alors, t'as pu te remettre à écrire hier soir? Ouais. Et alors? Quoi? Eh bien, un scénario ou une poésie? Je sais pas pourquoi je devrais choisir entre les deux. Mais non. Pourquoi cette question? Eh bien, pour savoir si t'avances, si tu t'y es remis sérieusement. Ah tiens, les voilà, regarde. Les minutes s'écoulent sans que je n'écrive une ligne. Chaque seconde me demande une concentration inouïe. Chaque mot que je pense me trouble l'esprit. Chaque phrase sans fin me ronge le moral. Chaque seconde, je retiens mes larmes, ne sachant ce qu'il en coulerait. Écrire m'est trop demandé. Chaque lettre m'affaiblit. À chaque virgule, je suffoque, ne sachant que dire. Quelle légitimité ai-je à écrire? Je ne m'émerveille de rien et ne me pose plus de questions. Mes écrits sont néants, simple complaisance et exutoire de sombres pensées ne méritant pas lumière. Ma tristesse n'est pas singulière, n'a rien de réel,
simple apathie. Non, je n'ai rien à vous écrire. J'aimerais tellement me laisser emporter par la frénésie. Frénésie que je n'ai connue que lorsque je n'ai plus toute conscience. Que lorsque je ne marche plus droit. Et que la raison n'est pas. Thank you.
À mesure que mes écrits avancent, je m'enferme dans le vide. Plus rien n'a de sens. Dans la pénombre, seul ami de mes migraines, je ne pense plus qu'à mon prochain exil, à ma prochaine bouffée d'air, loin de son insolence, loin de sa pauvreté. Dans la forêt, je me nourrirai du calme, du vent et du silence. Je n'entends plus sa voix si pesante. Je ne sens plus son regard intéressé qui m'oppresse. Je me libère des chaînes de cette anxiogène déesse qui me promit tant et me berne si bien. Lors de ma prochaine solitude, je fuirai bien cette hypocrite et ne la reverrai jamais. Mais le mal est fait. Oh, je l'aimais. J'attendais tellement d'elle. J'ai tant voulu qu'elle m'estime, qu'elle m'acclame. Mais cette ingrate n'a fait que noircir mon âme. Oh, je l'aimais. Oh, je l'aimais. Et pourtant, elle doit mourir. Sinon, elle trahirait d'autres hommes.
Le regard ne souhaite plus que fuir, s'évader, de bien des manières s'oublier comme par la lecture d'une poésie onirique. Par ses vers, il s'enivre et devient fou. Le sentiment chavire et se meurt dans le plus profond abîme. L'esprit sans corps erre avec froideur. Une gaieté sans bonheur, une tristesse sans douleur s'empare de lui. Alors il s'agit de savourer cette souffrance et cette sublime impression de hors du temps. Laisser danser le regard, le laisser danser comme enévrosé sur une musique pleine d'amertume. Laisser le regard et l'imagination marcher de pair comme deux amants, détruisant et laissant sur place de meurtris corps blancs.
Thank you.